Ah oui, pardon, ok, je recommence. ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un peu spéciale, puisque dans notre perspective d'évolution de la chaîne Poulet Gaming, on va faire une petite rétrospective sur l'année 2014. Donc pour l'instant, je suis en compagnie de... Enfin, pour l'instant, je suis en compagnie de Shuka et de Dokoryu. Salut, messieurs. Bonsoir. Pourquoi est-ce que lui, il a le droit à son pseudo complet et pas moi? Fuck you, Je Sylvain. suis en compagnie de Shuka Seikyo, aussi connu sous le nom de Shuki ou de Bâtard, ça marche aussi, et de Dokoryu. Bon, ça te va? Bon, on peut passer à la Ouais. suite? Bon. Petite rétrospective sur 2014, donc. Enfin, c'est plutôt l'idée de Shuka, ça, mais. Donc, vas-y, je te laisse parler. Qu'est-ce qu'on a à dire sur 2014? Bah. Bah, 2014. 2014 a tout de même été notre première année en tant que youtubeur, enfin, tous ensemble, du moins, avec Poulet Gaming, où c'était vraiment quelque chose en groupe, où on était vraiment une bande de potes, en fait, on va dire. Donc, bah là, on aimerait un petit peu, comment dire, évoluer. Merci beaucoup, c'était très clair, très précis, très concis. Je pense que tu nous as complètement mouché. Voilà. Je m'attendais pas à ça de la part de Doku. Gigi, tu montes encore plus dans mon estime. Ouais, complètement. Doku, quand il veut, il peut. Bref, donc oui, donc effectivement, enfin, Doku a tout dit, quoi. 2014, notre première année, on a fait des trucs bien, on a fait des trucs pas bien, mais du coup, en regardant en arrière, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses pas bien à corriger. Et donc du coup pour 2015 on s'est dit, enfin pour 2015 et pour la suite, hein, on va pas s'arrêter fin 2015, on s'est dit qu'on allait essayer de proposer, disons, du contenu vraiment de qualité. Continuer à garder l'esprit bon enfant, les blagues plus ou moins salaces, voilà. Mais virer tous les jeux sur lesquels on n'a rien à dire parce qu'on a fait beaucoup de commentaries vides en fait, des commentaries forcés. Je pense pas à Cooking Mama, peut-être pour ceux qui le pensent, je pense surtout à Gambare Goemon qu'on a annulé, à Ocarina of Time qu'au bout du troisième épisode plus personne n'avait rien à dire, à des trucs comme ça. Donc c'est là qu'on attaque le deuxième point, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, ce que j'aurais voulu dire, c'est que pour moi, personnellement, 2015, c'est une année où je vais vraiment me mettre à faire des vidéos. Et pour ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment m'investir et pouvoir tout donner, même mon cul. Non, peut-être pas ton cul. Mais d'accord. J'attends le twerk. Non, ça c'est toi et moi, Shuka. bah écoute, du coup, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille sur le domaine de la production de vidéos, parce que c'est vrai que finalement, t'es le seul, enfin, t'as fait une vidéo pour l'instant, qui était pas mal, hein, au demeurant, j'ai beaucoup aimé. Comme Thibaut, t'as beaucoup de choses à dire, même tout seul, et c'était très agréable. Bref, donc passons sur le deuxième point, Shuka, quelque chose à dire? Quel est le deuxième point, Sylvain? D'accord. Bon, le deuxième point. On aimerait, dans la mesure du possible, j'allais dire vous utiliser, mais ça fait vraiment esclave, là. Donc en gros, je vais m'occuper de cette partie-là. Donc ce qu'il faudrait expliquer, c'est que Poulet Gaming, c'est tout de même de la bonne humeur, on a quand même une bonne entente, on parle de beaucoup de choses. On a des choses à dire, mais pas forcément sur tous les jeux. Mais il manque quelque chose, et ça, c'est vous. Ça fait deux fois qu'il nous mouche là quand même. Ça commence à faire beaucoup, mais j'adore ça. Enfin, j'aime pas qu'on me mouche, j'aime que Doku prenne la parole. Donc oui, effectivement, comme l'a dit Doku, on s'est dit qu'on allait faire appel à vous, à certains d'entre vous, pour en fait commenter des jeux sur lesquels effectivement on n'avait pas forcément beaucoup de choses à dire. Des jeux choisis par nous, choisis par vous, ça on va voir encore comment ça va se faire, mais on s'est dit qu'on allait faire des commentaries avec vous. Vous, public, et qui nous écoutez, et histoire de vous faire participer, et histoire après de diversifier nos jeux sur des jeux qu'on connaît pas, comme ça on aura quand même, sur des jeux qu'on connaît pas, des trucs à dire, des conneries à raconter, comme d'habitude, toujours dans la joie et la bonne humeur et l'amour de notre prochain. T'es sûr de ces derniers points? Ouais, je t'aime, Shuka. Je t'aime aussi, Doku, et je t'aime toi aussi, citoyen lambda. I love you, random citizen. Pardon. Master Megamind. Megamind. Ouais. Sur la façon dont ça va se profiler, essentiellement, on va faire un système d'interview, bah, pas d'interview, ou d'audition. Donc, vous allez produire une vidéo de votre côté, soit avec un fichier vidéo que vous avez créé de toutes pièces, hein, ou soit une des quelques vidéos qu'on va vous fournir, sur laquelle vous allez faire un commentary assez court ou concis. Vous avez le droit de recommencer un nombre incalculable de fois. Oui. En fait, c'est ça. Donc, vous avez deux choix. Soit, enfin, dans l'idéal, ce serait que vous fassiez, que vous nous donniez une vidéo sur laquelle vous avez travaillé du début à la fin. C'est-à-dire,
capture du jeu, montage, pré-montage s'il y a quelque chose à faire, commentary, post-montage, rendu, et après nous envoyer tout ça. Mais on est aussi conscient que pas tous d'entre vous, ça ne veut rien dire en français. Pas l'intégralité d'entre vous, ou du moins de ceux qui veulent participer, ont le matériel pour faire ça. Parce qu'il faut quand même un ordi puissant, les logiciels, les machins de capture, les logiciels de capture, voilà, tout ce qu'il faut. Donc on s'est dit que pour ceux qui veulent participer mais qui n'ont pas forcément les moyens, on peut mettre des RAW en fait en place, en service, sur un jeu que vous. Sur un jeu que vous choisirez. On va vous mettre à disposition la RAW d'un épisode que vous allez commenter et qu'après vous allez nous renvoyer. Et donc du coup, sur ces critères-là, on va choisir qui, enfin on va regarder, on va comparer tous les commentaires et après on va sélectionner l'un d'entre vous. Et ça aura beau sembler bizarre, on fera vraiment ça sérieusement. Ah oui, non mais clairement, hein, je veux dire, on prend pas, c'est pas du tout un troll ou quoi, on aimerait vraiment faire des trucs avec vous. Des trucs construits, parce que dans les nombreux lives qu'on fait où on a une interaction directe avec vous, c'est moi je trouve ça très agréable en fait l'interaction qu'on a, donc avec les réguliers, parce qu'on commence à vous connaître, mais aussi avec les moins réguliers. Bon, sauf quand vous parlez chimie, parce que sinon moi je vais m'évanouir. Hein. Lol. Donc voilà, donc on aimerait beaucoup faire quelque chose avec vous, donc ça, ok, je l'ai déjà dit 4 fois... Oui, donc on va comparer vos commentaires et on va sélectionner l'un d'entre vous. Alors bien sûr, ce sera pas une fois début 2015 et après c'est fini, hein. Je veux dire, on va comparer, on va en sélectionner quelques-uns, mais par contre, je... Bah après, on va essayer de voir comment ça se passe, oui, en termes d'expérience. Ouais, c'est sûr. On va dire, si c'est quelque chose qu'on voit que ça s'est très bien passé, on renouvellera. Par contre, si on voit que c'est catastrophique, on réessayera peut-être pour voir, mais c'est pas un truc qu'on fera quand même de façon régulière. Ouais. Disons que dans l'actuel des choses, on va voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, on avisera. Mais c'est vrai que pour l'instant, on peut pas prévoir le futur. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, rien de plus à dire, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour. Bah non, pour moi ça suffira. À part la façon dont ça va se présenter les inscriptions, c'est simplement, il y a Google Doc dans la description, toutes les informations sont dessus et... Bah non, bah c'est bon, effectivement, toutes les informations sont dessus, je sais plus si je l'ai en tête. Bon, donc suivez ce qu'on vous demande et tout se passera bien. Voilà. Rien de plus à dire. Je pense qu'on peut clôturer. Donc, bonne soirée à vous et bonne année. Voilà, bonne année à tout le monde, effectivement. Bonne année, oui, effectivement. Et joyeux Noël 2013 en retard. 2014 en retard. Non, le Poulet Gaming a été créé le 24 décembre. 2013. Donc, tu souhaites le Noël 2013, toi? Ouais. Ok, ça se tient. Bon, on espère que vous avez eu de beaux cadeaux en 2013. Bon bah voilà, écoutez, merci de nous suivre en tout cas, n'hésitez pas à partager, parce que c'est vrai qu'on le dit pas régulièrement, je sais pas si on aime pas se faire de la pub ou quoi, mais n'hésitez pas à partager s'il y a des gens dans votre entourage qui peuvent apprécier notre humour bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire, à partager, à faire tourner, à vous abonner, mais ça, vous êtes abonné je pense, et voilà, merci encore de nous suivre, et on vous aime beaucoup. À la prochaine. Ciao. Ciao.